Et re tout le monde, allez, on est de retour sur Cyberpunk 2077. On va continuer le périple de V. Je dois aller rejoindre l'appartement de Judith. C'est parti. Faudra que je mette à jour mes implants aussi, tout ça. Faudra qu'on passe quand même, qu'on aille faire le tour des charcutocs, voir ce qu'ils proposent en boutique. Dans la salle de bain. Alors, on peut fermer la porte là? Ah oui, quand même. Ok. Merde. Pour te remercier de lui avoir sauvé les miches, cette conne a rien trouvé de mieux que de se foutre en l'air. Putain, la ferme. Je suis juste sorti une heure. Hé, hey, t'as pris son pouls? V. Elle est morte. On peut pas la laisser là. Pas d'emmerde. J'appelle tout de suite les flics. Tu peux la mettre sur le lit. Comme si ça allait changer quelque chose. Oui, je voudrais signaler une mort accidentelle. Northside. Jackson Street. Non. Aucun danger immédiat. Bon, c'était vraiment dommage pour Evelyn. C'est un personnage que j'aimais plutôt bien. Non! Aujourd'hui, j'ai dit qu'elle était morte! Non mais vous êtes bouché ou quoi? Non, c'est pas la traumatime qui a prononcé le décès. Je serais pas en train de vous parler si elle était assurée. Si vous bougez pas votre cul, c'est moi qui vais me déplacer! Et je vais foutre le feu à votre putain de commissariat! Alors vous allez venir m'arrêter, bande de baltringues! Parfait! Faites un rapport sur moi! Je m'en bats les ovaires! Ils vont pas tarder. Okay. Ils m'ont dit de la mettre dans de la glace jusqu'à demain. T'y crois à ça? Je trouve que t'as été plutôt cool avec eux. Si ça avait été moi, je leur aurais pourri la gueule comme pas possible. Je vais l'habiller. Je veux qu'elle ressemble à une personne, pas un cadavre. Tu peux attendre dehors? Bien sûr. Ferme la porte, V. Voilà. S'il te plaît. Une clope? Je savais pas que tu fumais. J'ai arrêté il y a des années. Mais là, il me faut plus que de l'air dans les poumons. S'il te plaît, V, juste une. D'accord, tiens. C'était son étui à cigarette. Tu veux le garder? Non. Il a l'air de te plaire. Garde-le. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'aies. Pour elle. Je pensais que si je lui laissais de l'espace et que j'étais patiente, elle finirait par aller mieux. Sois forte, Judy. Te laisse pas abattre. Tu sais quoi? On devrait se taire pendant une minute, ok?
Son état... J'arrêtais pas d'y penser. Niveau tech, elle était nickel. Son éclat de poupée fonctionnait, elle était pas corrompue. C'était forcément un traumatisme psychologique. Alors j'ai fouillé dans ses vertus. J'ai trouvé Woodman. Il l'a séquestrée. Il a abusé d'elle. Si tu savais ce qu'il lui a fait. Et quand il en a eu marre, il l'a revendue. Qu'est-ce que Woodman lui a fait? T'as vu? Ouais. Et je donnerais tout pour l'oublier. J'aurais jamais dit que ce type était un monstre. Pour moi, c'était juste une ordure de base. Il cachait bien son jeu. Je le connaissais, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi taré. Je dois pouvoir faire quelque chose. Comme quoi? Je sais pas encore. Je vais appeler Suze, je crois. Merci, V. Désolée, mais je préfère rester seule. Je t'appelle, promis. T'es sûre que t'as besoin de rien? Non, mais c'est gentil de demander. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi via Holo. Il se penche dessus. Ah, il se passe rien. Je me suis dit au cas où, hein, on sait jamais. Bon, bah du coup, là on peut plus rien faire de toute façon pour l'instant. On peut toujours faire la quête finale, mais je dis que je ferai toutes les quêtes du jeu, donc ouais, on va aller par là. C'est parti. Allez, let's go. Attends, parce que je comprends pas là pourquoi j'ai un. Tiens, d'accord, c'est pour aller à un charcutoc. Ok. Mystère au notel motel. Notel motel. Je commence à croire que vous ne viendriez pas. En fait, j'aurais peut-être pas dû. Pourquoi? Normalement, je bosse qu'avec des fixeurs. Les clients qui les évitent sont souvent pas fiables. Je tiens juste à ma vie privée. Tout le monde tient à sa vie privée. Peut-être, mais pas autant que moi. Putain de merde. C'est vous? Oui, c'est moi. Lizzie Weedy. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, parce que là... Vous devez vous en douter. Là... Ah, je peux pas changer. On va faire ça. Voilà. J'ai des problèmes. Et de quel genre? Ah, bonne question. J'ai eu une année difficile, panne d'inspiration. Je ne sais même plus à quand remonte ma dernière chanson potable. Et pour couronner le tout, je suis tombée amoureuse. C'est pas ce qu'il y a de pire au monde? Pour moi, si. J'ai des choses à dire, et ça, c'est une distraction. J'ai besoin de me focaliser sur ma musique. Alors, c'est un mec? Une fille? Saleté de main. Parfois, on dirait qu'il me suffit de frôler quelque chose pour le casser.
Ah. Bref, c'est un homme. Il s'appelle Liam. Liam Northam. On est ensemble depuis quelques mois, mais je crois qu'il me trompe. Ok. Pourquoi vous le soupçonnez ? Ah, c'est tellement cliché que c'en est gênant. Des coups de fil discrets dans la salle de bain, des tickets de caisse suspects, des rendez-vous secrets en pleine nuit. Vous avez un événement particulier en tête ? Ma tête... C'est un sujet délicat. Pourquoi ? On ne se connaît pas assez bien pour ça, V. Qu'est-ce qu'il en dit ? Vous lui avez demandé en face ? Vous êtes trop mignon. Je vous explique. On n'est jamais seul. Je suis toujours entourée d'assistants, de chargés de com, de maquilleuses. Et ? Si j'arrête de lui sourire rien qu'une milliseconde, ça sera sur tous les infodocs de la ville. Je comprends. Non, on ne peut comprendre ça que si on le vit. Des millions d'yeux constamment braqués sur vous. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Ah, Mylène Farmer du futur, hein. Liam Northam. Non, ça me dit rien. Parlez-moi de lui. La quarantaine, sensible, un mec qui n'a jamais manqué de rien. Vous voyez le genre ? Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est mon manager. Ah ! Ouais. Je sais, c'est une erronée. C'était pas prévu. Il n'est même pas mon genre, mais... Mais ? J'ai beau avoir un corps en chrome, mon cœur est resté le même. Et le cœur a ses raisons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Des preuves. Et je l'éjecterai de ma vie, pour de bon. Liam va tout le temps au Riot. Je pense qu'il y retrouve quelqu'un. Je veux savoir qui. Vous le ferez pour moi ? Pas si vite. Et côté pognon ? Vous en aurez. J'espère bien. Mais combien exactement ? Ah, c'est d'un futile. Aucune idée. Une quantité astronomique, ça vous va ? Vous savez, pour nous, simples mortels, ce genre de futilité, ça compte. Parfois, ça fait toute la différence entre la vie et la mort. Épargnez-moi vos leçons. Vous voulez le job ou pas ? Allez, c'est parti. Sur moi. Parfait. N'oubliez pas, je veux du concret. Si possible, des photos ou des enregistrements. Ok. Pas de problème. Bien, alors au travail. Ok. Allez, parti. Allez, c'est parti. Alors, hop. Je suis parti, je vais trouver. Une preuve de trahison. Attends, faut que j'aille au-dessus, je pense. Y a moyen d'aller au-dessus ou pas du tout ? Ouais. Je crois. Pas. Ouais. Y a pas d'au-dessus. Quoique. Ouais, non. Y a pas d'au-dessus. Bien ce que je pense. Bon allez, hop, on verra bien. Merde ces gens. Un petit coup là.
résout. C'est bien crade, j'aime. Ah, attends, là, c'est pour... Y a pas de garde, y a rien. C'est louche. Attends. T'es fermé là. Verrouillé, verrouillé. Voyons voir un peu où ça mène. RDC. Ouais. Ça va bien. Hein. Bon, voyons ce qu'on a. Ok. Est-ce que... Ah, voilà. Là, je me mets bien. Salon VIP. Ok. Du champagne. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Je suis toujours là. Ah, désolé. Mauvais salon. C'est ça, ouais. Allez, tirez-vous avant que j'appelle la sécurité. Oh putain, t'as entendu la même chose que moi. Ouais, il la trompe. Aucun doute. Allez, cassez-vous. Je sais pas. Sinon j'appelle la sécurité. Bon, d'accord, c'est sûr, y a un truc qui est pas clair. Mais ce qui s'est dit dans la salle, là, ça c'est autre chose. C'est un détail. En tout cas, elle ferait mieux de plus s'approcher de lui. Elle te croira peut-être pas sur parole. Ok, bon. Salle de surveillance. Ok. Inspecter les caméras, connecter l'ordinateur, mais j'arrive pas à entendre. Ouais. Eh oui, si je pouvais entendre.
On va regarder vite fait. Ok. Discuter. Et ça doit être important pour ne pas. Ok. J'ai du boulot. Ok. Là c'est réglé, donc du coup ouais, je vais l'appeler, hein. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il me veut qu'il arrive encore? Oh là là. Ok. De toute façon, j'ai pas du tout envie de le revoir. Attends, elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Lizzie. Hop. Lizzie. Allô, V? Quoi de neuf? J'ai des infos sur Liam. Alors? C'est ce que je pensais? On dirait bien. Je l'ai surpris dans le salon VIP avec une greluche. Il buvait du champagne. Et? Vous savez de quoi il parlait? Aucune idée, mais ils ont sûrement pas fait que discuter. C'est un peu léger, mais ça suffira. Ok. C'est tout. Ah, peut-être que je me suis trompé. Ouais, alors du coup, est-ce qu'on peut ressortir par là? Apparemment, oui. Allez, zou. Du coup, aïe. Méchant. Tu es là, Skippy. Ok. Méchant utilisateur. Et je te ramène chez toi. Je m'en fous que la production ait pas commencé. C'est celui-là qui me faut. C'est là, ok. Compris? Quoi? Le 13ème étage. Eh, si je peux avoir un implant qui me permet d'entendre la caméra, parce que c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Un petit implant de meilleure qualité. Ok. Ça pue. Ok. Telle. Et... T'avais quelque chose à me dire? Sur les... Bon. Je dois encore réunir des infos. L'organisation qui finance cette thérapie expérimentale, je sais pas si je peux lui faire confiance. Mais il nous faut plus de cobayes pour que ça ait une chance d'aboutir. Eh, hey, le nom Skippy, ça te dit quelque chose? Tiens dans un holster, un peu dingo sur les bords. Oh, ta Skip? Je me le suis fait voler il y a un moment. Vas-y, fais-moi voir. Eh bien tiens, c'est triste. Voyons voir comment tu vas. Lance un diagnostic. Performance, 82%. Mémoire, endommagée. Mode, pacifiste ami des animaux. Verrouillage permanent. Verrouillage permanent? Y a un truc qui déconne. Restaurer les paramètres d'usine. Veuillez entrer le nom de l'arme. Daisy. Mon nom est Daisy. Tu l'as tué? T'as tué Skippy? Mais non, c'est qu'un algorithme. Il a pas un brin de conscience. C'est pas si sûr, il avait une personnalité, des petits travers, des manies. Ouais, des erreurs de protocole. On réinitialise et c'est réglé.
Où tu l'as eu, ce crasheur, d'abord? Ben, je connaissais un type. Tout le monde l'appelait le Danois. Super techie. Enfin, jusqu'à ce qu'il se mette à picoler. Bref, je l'ai gagné au poker. Le Danois a vidé sa puce de crédit, alors il a parié son crasheur. Je te laisse deviner la suite. Les fonctionnalités de combat sont géniales, mais l'interface vocale, elle est trop bizarre. Bon. Un petit dédommagement? Bien sûr. Tiens. Ça fait bizarre maintenant. C'est trop silencieux. T'as qu'à prendre un chien. Un jour peut-être. Salut Reggie. Ok. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je l'aimais bien ce petit Skippy. Il était sympa. Ouais, ok. Qu'est-ce que je dois inspecter? Les mails. Incroyable. Payer. Arnaque. Crypté. Il a été attaqué par trois démons de système. Ok. On comprend pas. Ah d'accord, ok, je dois faire une recherche. Alors attends. Collectif Batmos. Ok. Ok, ok. Excellent. Easy Weezy. Allons voir ses messages. Ok. J'ai reçu un virement de inconnu. Ok. Et okay, ok. Attends, je dois appeler. Oui, ben c'est vite, mais. Allô? Ah, oh, salut V. Tu voulais me dire quelque chose ou c'est juste pour prendre des nouvelles? La première option. J'ai vu ton annonce sur Swedenborg Riviera, sur le net. Oh, ça! J'avais complètement oublié ce truc-là. Alors, c'est toujours d'actu? Eh bien, je suis toujours preneuse, si t'as quelque chose sur Swedenborg. Je te paierai en caviar noir et en champagne. Mais ça m'étonnerait que tu trouves quoi que ce soit. T'as réussi à trouver quoi pour le moment? Pour faire court? Que dalle. Mmh. Et pour faire long? Eh ben, apparemment, Swedenborg Riviera n'est pas qu'un simple philosophe et économiste radical, mais un putain de netrunner aussi. Un touche-à-tout. Tu peux m'en dire plus? Je pourrais, mais... Je te ferai perdre ton temps. Sérieux, ce type, c'est un fantôme. Ça coûte rien d'essayer, hein? Oui. Tu m'as l'air super motivé à ce que je vois. Vas-y, fais-toi plaise. J'ai commencé à m'y intéresser il y a un an, quand un des partisans de Swedenborg a jeté un cocktail Molotov sur la filiale d'Helvetia. J'ai essayé de trouver un moyen de le contacter, mais ça n'a rien donné. J'ai engagé un privé, mais rien de ce côté-là non plus. Et l'IP associé au compte? Il a dû utiliser des démons pour masquer sa présence, mais il reste toujours une trace. Eh ben, je savais pas que j'avais affaire à un pro. Mais tu sais quoi? J'ai déjà essayé. J'ai remonté le signal jusqu'à Santo Domingo. Mais impossible de le relier à une adresse. Tu dois être au courant que le quartier est truffé de brouilleurs. J'ai parlé aux gens du coin, voir si un peu de fric les rendait bavards. Mais que dalle, nada. Et tu m'étonnes. C'est l'impasse. Je vois. Écoute, envoie-moi les coordonnées du dernier terminal qui a relayé le signal. Je vais voir. Au pire, j'aurais perdu une heure. Au mieux, on verra. C'est si gentiment proposé. Mais honnêtement, V, j'y crois pas beaucoup.
Bonne chasse quand même. C'est quoi cette obsession pour ce Swedenborg de merde? T'espères qu'il va te révéler le sens de la vie quand tu l'auras trouvé? Je vais te le dire, moi, la vie n'a aucun sens. Avec toi dans ma tête, c'est clair. Bon, tu veux pas la fermer? J'ai besoin de réfléchir. T'avais arrêté de réfléchir bien avant que j'arrive. Mais vas-y, lâche-toi, dis que c'est de ma faute. Attends, chut. Faut que je check. Je t'achèterai rien. Yeah. Qu'est-ce que j'aime bien monter les bâtiments comme ça. Le plaisir. Ah voilà. Un routeur pirate. Je m'étais pas trompé. C'est Swedenborg, tu crois? Qu'un moyen de le savoir. Ok, on verra bien. Le signal correspond à celui que Nancy avait trouvé et repart vers les Badlands. C'était un plaisir. Ok. Les Badlands, car... Le signal mène ici avant de redisparaître. Y'a là-dedans. Ça semble un délai. Ça a déjà été fouillé ici. Ah. Merde. Encore un routeur. Ce Swedenborg tient vraiment à rester anonyme, on dirait. Tiens, je pensais que tu me parlais plus. Ah, hop, c'est pas grave. C'est vrai, mais j'ai personne d'autre à qui parler. Alors, je fouillerais bien dans tes souvenirs, mais bon, j'ai pas envie de gerber partout là-dedans. Allez, pirate-le, ce truc, ou fais ce que tu voulais faire, là. Qu'il se passe quelque chose au moins. Faut que je le pirate, absolument. Bon, je pensais que ça allait marcher. Du coup, 7A. 7A, c'est assez. Et il va me faire 1000 km au truc. Vers un autre terminal.
On dirait que quelqu'un se fout bien de ta gueule, V. Quand tu les auras tous trouvés, relis les points sur la carte. Je parie que ça te fera une bite. Tu es sûr que ça te plairait, pas vrai? Ah ben grave que ça me plairait, ouais. Cette bite serait le premier truc sensé que ferait Swedenborg. Sauf qu'il lui donnerait un surnom prétentieux. Genre phallus patriarcal, symbole de la masculinité toxique. T'en penses quoi? Je pense qu'on doit y aller. Pas mal, pas mal. Allez, 2 km, c'est toujours dans le désert, ouais, c'est toujours dans le désert. Mais, on va le faire en voiture. La belle vue. Enfin, putain! Regarde, quand on s'éloigne de la puanteur, même Night City a l'air belle. Tout ça, pas sauter. What? Pour des dégâts alors que je fais un. Ouais, bon, bref. Putain, il est où ce putain de panneau? C'est bon, j'ai trouvé. Oh merde! Laisse-moi deviner. Encore un routeur? Oh putain, mon histoire de bite. oui, ton histoire de bite. Alors, BD. Mais non. Attends, on la refait, ça m'énerve. Voilà. A9. Voilà. Vas-y, moque-toi. Je suis sûr qu'il va encore me dire d'aller là. Le signal mène ailleurs. Ouais. Le signal s'arrête ici. Et donc quoi? Ce connard se cache dans les parages? Ah, peut-être. Ou alors on rejoint un autre terminal. Faut chercher. Bizarre, hein, comme endroit. Ça va bien avec notre cible, tu trouves pas? Ah bon? Ce parc serait une caricature du capitalisme effréné? C'est du divertissement à bas prix pour les blaireaux. Oula! C'est quoi ce truc? Tu crois quoi? C'est Swedenborg Riviera. C'est ça, le grand prophète de Night City. Oh, c'est trop bon. Un philosophe en boîte. Il te reste des pièces? Je veux voir ce qui va nous sortir après. Mais comment c'est possible? J'en sais foutre rien. Mais putain, V, c'est magnifique. La
moitié du net qui se branle sur les discours d'une marionnette dans une cage en verre. Et vas-y que ça débat, et vas-y que ça disserte. Oh putain, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça valait le coup de passer 50 ans dans la prison des âmes, rien que pour voir ça. Faut que je voie ça de plus près. Quelqu'un a dû trafiquer ce truc. Regarde, quelqu'un non, a une histoire d'un borgonnette. Tu... Alors, t'attends quoi? Vas-y, dis-moi quel secret se balade dans ces câbles. Ah, fais chier. Voilà. Bon, y'en a un. Vous rencontrerez une lobbyiste séduisante au moment où vous vous attendrez le moins à une flambée de lutte des classes. Ça va. Alors, si je comprends bien, quelqu'un a trafiqué cet automate et a reprogrammé son algorithme pour qu'il balance des phrases anticapitalistes. Et ensuite, il l'a connecté au net. Il y a un système de routeur qui masque l'origine du signal. Oh, c'est du putain de génie. On peut trouver qui a fait ça? Ah, sans déconner, je voudrais lui serrer la main. Le capital est le centre du système d'oppression mondiale. Primo, il a laissé aucune trace. Et Deuxio, t'es mort, Johnny. Ah ouais, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier quand je m'emballe. Hé, V, l'éteins pas, ok? Les moyens de production devraient appartenir à l'inconscient collectif. Le capital est le centre du système d'oppression mondiale. T'inquiète, Johnny. Je compte pas priver Night City de son plus grand philosophe. Allez, longue vie à Swedenborg. La réussite et la dilution de l'âme. Eh ben. Les moyens de production devraient appartenir à l'inconscient collectif. Laisse-moi deviner. Tu m'appelles pour me dire que t'es tombé sur une impasse? Le capital est le centre du système d'oppression mondiale. Eh ben, pas vraiment. On a trouvé quelque chose. Hein? T'étais avec quelqu'un? Non, je disais on, en général. Donc, Swedenborg, c'est un canular. C'est un quoi? C'est un automate de fête foraine. Il associe des mots au pif pour que ça ait l'air profond. Quelqu'un l'a connecté au net et il doit bien se marrer en ce moment. Le capital est le centre de l'oppression mondiale. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je prends le relais. Oh, et je t'envoie les édits. Merci. Merci pour tout. Je pensais te donner un conseil, mais bon. C'est peut-être mieux comme ça. Les moyens de production devraient appartenir à l'inconscient collectif. Et ouais. Allez, on va s'arrêter là. On se retrouve au prochain épisode, je vous dis à très très vite, plein aventures, et sur ce, portez-vous bien. Ciao.